فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. Du 4-4-2 pour les Maliens. Attention à ce ballon en profondeur. Vers Dramane Traoré. Retour de Nouredine Demet. Ah, place son mur. Bien tiré et relâché par Sidibé. Alors que le ballon sortait, ça offrira un premier corner aux Marocains. Un mot peut-être, Eliane, pendant que le ballon va vers le corner sur l'ambiance dans le stade. Mais grosse erreur du gardien guinéen. Là, ça pourrait par contre, et on le voit d'ailleurs dans ce début de rencontre, se jouer dans les couloirs, Mokhtari. À l'image de ce duel entre Mokhtari et Diarra. Kessi, en profondeur avec Mokhtari, et Thiam qui doit intervenir devant Mamadou Sidibé. C'est dans l'axe. Il sort souvent vainqueur à Gragic, vers Chamakh, qui obtient une faute. Une faute de Sami Traoré. Mais jamais le Mali. Le pied gauche de Mokhtari. Oh, Mokhtari qui ouvre le score. Ah oui, c'est un très beau but. Très joli coup franc, très pur. C'est sa deuxième chance. La première, il avait mis à côté. La deuxième, il choisit l'angle opposé et trouve pratiquement la lucarne de Mamadou Sidibé. C'est la joie dans les tribunes. Le Maroc va faire la course devant. Et quel coup franc, quelle perfection, quelle frappe pure de Mokhtari. Ah, sans doute que Sidibé doit regretter d'avoir placé son mur comme cela, car il a pu enrouler sa balle, mais masquer aussi son tir, et Sidibé ne pouvait rien. C'est une très jolie frappe de Mokhtari, très jolie. Ah, dès la 14e minute, 1-0 pour le Maroc, pour la plus grande joie des supporters nombreux qui sont ici dans ce stade de Sousse. On a aperçu également sur ce coup franc une fausse piste, un faux appel effectué par... De bonnes prises à deux sur les côtés pour Objet dans la boîte. Oui. Canouté un petit peu court. Attention parce que s'il faut bloquer les couloirs, il faut également, vous l'avez bien noté Claude, surveiller au centre ce diable de Canouté. Les chiffres sont très évocateurs à son sujet. Ah, il ouvre bien son pied, il enroule bien la balle. Il a laissé jouer monsieur l'arbitre. Et ça se termine par l'obligation pour Sidibé de mettre ce ballon en corner. Il reste bien en place à 4. Hadji sur le côté gauche, il va percuter. Centre de l'extérieur d'Hadji, contré, deuxième chance. Avec Mokhtari, Thiam, tour à 2. Koulibaly pour le tirer, deuxième poteau, Fouami doit sortir. Dégagement difficile devant Frédéric Canouté. Un but tardif de Lothar Matthäus pour mettre fin à leur aventure. Diarra va se battre à la lutte avec Ray Gragic. Casey s'y met également cette reprise de Dramane Traoré qui était cadré. C'est un joli geste, c'est un joli geste. Ah, ça fait du bien de voir. Doit remonter, centre vers attention la tête de Canouté. Canouté, reprise. Trois pas d'élan, Sidibé largement au-dessus. Sans danger pour le gardien marocain. Joué, ou plutôt l'arbitre a laissé jouer. Un 2 contre 3, Hadji Chamakh. Une 2 sollicitée par Hadji. Il a fallu que Thiam intervienne. Ah, le Basquet va très vite. Sami Traoré monte de plus souvent sur la droite. Canouté peut lancer Hadji. Thiam est excentré puisque attention à ce centre. Voilà monsieur Charaf qui est maintient très précisément. Canouté, tir contré. Corner. Ce sera le premier corner de cette deuxième période en faveur des Maliens. Difficulté. Attention à ce ballon pour El Yacoubi. Voilà. Et encore une faute de concentration de la défense malienne et de Sami Traoré. Et ce garçon sait que sur une rentrée de touche, il n'y a pas de hors. Passe à la Touré. Au point de pénalty, non. Pour la tête de Thiam, montée. Et Thiam, là, était quasiment en arrière. On le voit qui prend la tête, mais il a le corps complètement en arrière. Attention, ce ballon repris par Koulibaly, monté en attaque.
Fred, un changement de Sipopa. Qui le donne finalement à Diawara. Safri. Hadji. Mokhtari, son pied gauche, le pied gauche de Mokhtari. Extraordinaire but de Mokhtari. Le but du break de celui qui sera peut-être comme du match. Celui qui va peut-être propulser le Maroc en finale. Complètement arrêté, Mokhtari et son pied gauche sur point pour la deuxième fois dans cette rencontre. Sidibé. Ah, c'est une grosse désillusion pour les Maliens qui avaient, semble-t-il, pris le match en main. Mais sur l'attentisme de la défense malienne, ils ont laissé venir, ils ont attendu, ils n'y ont pas cru à ce tir de Mokhtari. Et puis le gardien Sidibé était peut-être un peu masqué, il n'a pas pu se détendre convenablement. Ce qui fait que le Maroc mène maintenant 2-0. Et ça va leur donner de quoi. Touche rapidement jouée avec Diawara. Encore vers Frédéric Kanouté, la tête de Kanouté. Envolée de Fouami. Je crois que le ballon sortait, mais la prise de balle est parfaite de la part de Fouami. Ça me rappelle mon vieux temps. Bon. On va revoir le deuxième joyau de Mokhtari, Dominique Colonna. Mais c'est très étonnant comme il n'est pas attaqué. Personne ne va vers lui. Le gardien a mis quand même du temps à se coucher. Premier poteau, Bassala Touré demande une déviation d'un de ses attaquants. Regragui intervient avec Hadji. Chamac. Cette envie de passer, de distribuer des ballons. Regardez. Hadji n'est pas en jeu, il passe devant Diarra, va pouvoir centrer, non? Il ne jette pas un ballon. Il ne donne pas un ballon approximatif. Tous les ballons sont calculés. Très bien défendu de la part du capitaine malien sur ce couloir, qui est un milieu de terrain, qui évolue en Bulgarie. Chamac en retrait. Mokhtari pour un trick éventuel, non? Là, il a été. Ouais, il s'est enfermé sur Diawara. On va attendre encore un petit peu pour le coup du chapeau, même si on leur tire. Likivar met sa frappe du gauche. Frappe écrasée. Oh, c'est pas terminé avec Fouami qui intervient à terre. C'était Koulibaly qui. Avait inquiété le gardien marocain. Quel bon réflexe. Quel réflexe, quel réflexe. Il a mis la main juste comme il le fallait, bien démarqué. Il donne la balle, il la perd pas, il la donne. Ils n'ont toujours pas perdu, regardez. Mokhtari est au centre. Il est tout seul. Il va attendre. Chamac. Centre. C'est le plus beau but de la CAN. Sauf coup de théâtre improbable, le Maroc est en finale. Le Maroc est en finale. Vous avez vu l'intelligence de Mokhtari? L'intelligence, il aurait pu tenter tout seul. Il a vu Hadji arriver et lui passe, il lui dépose le ballon. Comment remonter un terrain de football en une ou deux passes? Et il lève déjà les bras, regardez, les Marocains lèvent déjà les bras. Et mettre en moins de 8 secondes, Claude, toute une équipe à terre. C'est ça la leçon. On est parti de la ligne de but de Fouami. Et en une ou deux passes, avec 5 joueurs en moins de 8 secondes, on a marqué ce troisième but qui est sans doute... Au football, de bien jouer au football. De ne pas perdre le ballon. De maîtriser le jeu, quoi, sans arrêt. On souhaite quand même pour les Maliens qui repartent du stade olympique de Sousse, peut-être avec un petit quelque chose. Car si ce n'était certainement... Il n'y a que 3 défenseurs et les Maliens reviennent très vite. Chamac va se faire plaisir et provoquer la défense. Tombe sur Sami Traoré. Hors-jeu. Oh, mais il n'y a pas de Maliens au centre. Fouami peut intervenir. Place des Camerounais. On repartit au pays ou dans leur club respectif. Et on avait trouvé Kanouté et les siens presque trop décontractés. Presque trop tranquille. Elle est au-dessus de la barre adverse. Elle était bien partie. Oh, dégagée par Mourad Youad. Là, il y a eu un petit moment de show. Là. Debout, partout, ils y croient. Et à nouveau. Regardez le ballon. Regardez, Chamac. Le Bordelais qui la donne. Mokhtari. Oh, la but de Mokhtari. Ah, comme à l'arrêt.
Chama qui a pris son temps, a vu que Nabil Bahra était avancé. Et Nabil Bahra a pris. Parfait, joli tir, bien armé. Sidibé n'a pas vraiment bougé. Alors il en veut à sa défense, mais regardez. Non, lui aussi, il n'est pas. Il n'est pas très net. Il n'est pas très net, il n'est même pas net du tout. Regardez, il ne bouge presque pas. Il ne bouge pas. Toute la différence avec Fouabi tout à l'heure. Ah oui, il est stupéfait, Sidibé. En prendre 4, c'est difficile. Ben, vous voyez, le Maroc avait battu le Bénin 4-0. Ben, c'est le même sort pour le Mali dans les techniciens. Avec Youad. Ah non. Allez, il a raison. On ne peut pas tout réussir.